Ça me fait trop trop plaisir de vous retrouver un peu face cam au naturel en format vlog. Ça fait une éternité que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Il s'est passé plein plein de choses depuis la dernière fois. J'ai vraiment plein de trucs à vous updater. Je sais que c'est un format qui vous plaît pas mal. C'est un format un peu plus intime. Le but de cette vidéo, c'est qu'on passe le week-end ensemble, que je vous fasse mes petits updates, que je vous emmène en course avec moi parce que j'ai vraiment plus rien dans mon frigo. Et il faut que je fasse mes courses pour la semaine. Du coup, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Je vous ferai un petit retour de course. Je vais aussi faire mon pilates. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je fais, quelle vidéo je suis. Il y aura probablement un petit peu de nourriture, vous savez, hein, comme d'habitude. Si vous regardez mes vidéos, il y aura des petits repas sains. Et puis, bah voilà, je vous emmène avec moi pour ce week-end. J'espère que ça vous plaira. Mais avant, de toute urgence, je commence par ma séance de pilates pour que je puisse sauter dans la douche, laver mes cheveux parce que là, je ne peux plus. Ils sont vraiment plus du tout propres. J'ai attendu le dernier moment, là, je crois, pour les laver. Je me sentirai clairement mieux une fois les cheveux propres. Je pense que on connaît tous ce sentiment. Et voilà. À plus. Everyone and welcome back to my channel. Today's class is a full body Pilates class. Voici avec les cheveux propres, mon dieu, ce que ça fait du bien. Je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo sur les produits non toxiques, notamment avec tout ce qui est skincare, beauté, shampoing, crème pour le corps, crème visage, etc. Et je vous avais présenté un shampoing. Je vous avais notamment dit que ce shampoing-ci était le meilleur au niveau des shampoings par rapport aux perturbateurs endocriniens, etc. que j'ai pu tester. Mais j'ai trouvé un shampoing qui l'a détrôné. Mais alors, clairement, celui-ci est bien, mais il mousse beaucoup moins et il donne quand même une sensation de cheveux secs et bah, pas très hydratés. Et ce que je trouve hyper difficile en fait, c'est d'avoir les cheveux hydratés, mais de pas avoir un effet alourdissant. Parce que vraiment, moi j'ai les cheveux super fins, j'en ai beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai du volume. Là, je sors de la douche, j'ai vraiment rien fait, j'essaie juste laisser sécher à l'air frais. Après, la coupe que j'ai faite aide un petit peu aussi au niveau du volume. J'ai fait un espèce de dégradé avec 2-3 couches. Mais ouais, vraiment, je les sens en fait super doux, super hydratés, avec quand même du volume. J'ai pas cet effet alourdissant parce que vu qu'ils sont fins, suivant ce que je mets de hydratant, ça les rend super plats et super lourds et ils deviennent gras très très vite. J'ai tendance à régresser à la racine assez vite. Et là, vraiment, j'adore, je suis fan. Alors, je vais vous montrer. Ça s'appelle le Zizania. Ça se présente comme ceci. Et c'est en fait un shampoing solide. Normalement, franchement, j'aime pas ça. Parce que je trouve que c'est pas pratique. Je trouve que ça mousse pas. Ça se présente sous un petit anneau comme ça. Vous pouvez le mettre directement sur votre crâne. Ça mousse vite ou bien dans vos mains. Et ils sont super bons, il est, comme je vous dis, il est vraiment incroyable. C'est pour tous les types de cheveux, cheveux normaux. La vendeuse dans le magasin bio où je l'ai acheté, c'est un magasin bio dans ma ville avec plein de cosmétiques qui sont non comédogènes, qui sont non toxiques. Elle m'a dit que c'était leur best-seller et franchement, bah, je comprends pourquoi. Si jamais vous avez la possibilité, je vous mettrai le nom ici ou si jamais la référence en barre de description, si vous avez l'occasion de le tester, allez-y les yeux fermés. Voilà, du coup, je vais vous faire un petit peu quelques updates pendant que
je me maquille et ensuite on ira faire les courses ensemble. Au niveau des updates de vie, je dirais que la toute première chose et la plus importante, c'est que je déménage. Dieu merci, enfin. J'adore mon quartier, j'adore mon appart, hein, c'est moderne, c'est tout neuf, on est les premiers, etc. J'adore pouvoir aller au travail à pied, ça c'est vraiment un luxe. Le cabinet se trouve à 20 minutes à pied de chez moi, donc c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Je fais tout à pied, mes courses, j'adore ma ville, j'adore l'énergie de cette ville. Par contre, ça devenait un petit peu compliqué parce que je vis avec mon copain et on est dans un studio en fait. Vous l'avez peut-être pas remarqué, ça ne va pas forcément suivant comment je filme, mais en fait on vit dans une seule pièce. À deux. Donc je vous laisse imaginer que parfois l'organisation du quotidien c'est un peu compliqué parce que mon copain fait pas mal de home office, donc quand il travaille là et qu'il est là la journée et qu'il a des appels importants etc, moi je dois souvent sortir de l'appartement. Alors l'été ça va, mais quand il fait froid l'hiver et que j'ai du travail et que j'ai des choses à faire aussi et que je dois sortir de l'appartement pour le laisser travailler tranquille, c'est vraiment compliqué. Quand je veux faire aussi mon pilate, il est toujours à 2 mètres de moi en train de faire autre chose. Donc c'est pas forcément agréable, j'arrive pas forcément à me mettre dans ma bulle et puis à me relaxer. Pareil si je veux faire une méditation, lire un livre et puis que lui il fait ses trucs à côté. On doit constamment s'adapter au rythme de l'autre et puis c'est vrai que c'est un peu fatigant. Figurez-vous qu'on a trouvé un appartement juste à côté. Mais quand je vous dis à côté, c'est littéralement les voisins de palier. Un 3 pièces et demi d'ailleurs, donc ça va faire un grand changement. Vraiment, j'ai trop hâte de déménager. C'est pour dans un mois et demi. J'ai tellement hâte aussi de vous faire des vidéos là-bas et puis d'avoir mon espace, une pièce pour moi. Enfin vraiment, ça va être tellement bien. Je suis tellement reconnaissante et ça s'est passé tellement rapidement et tellement facilement. Je pense que c'était pour nous. Vraiment, je compte les jours là, je suis comme une gosse. Ensuite, quoi d'autre? J'ai commencé au mois de janvier ma formation de nutrithérapeute. Donc dans l'école naturelle à Aigle, c'est une ville en Suisse si jamais pour ceux qui ne connaissent pas. On est une dizaine de femmes un peu de tous les âges et franchement c'est trop sympa. Moi j'adore y aller, ça me change de ma routine, ça me change du cabinet. C'est plus ou moins un vendredi sur deux et c'est une longue journée de cours assez intense avec beaucoup beaucoup d'infos. C'est donc une formation qui est donnée par ma mère, donc ça c'est vrai que c'est encore un luxe de plus parce que voilà, on est tellement proches, on travaille déjà ensemble, du coup on peut faire les trajets ensemble et comme si on se voyait pas assez, on se voit encore plus. C'est super cool d'être entouré avec des gens qui vous comprennent et qui sont passionnés par la même chose que vous, qui ont les mêmes valeurs, la même vision des choses, ça fait trop du bien vraiment. Il y a beaucoup de partage, c'est vraiment super riche, beaucoup d'interactions, etc. Et vous savez que donc j'ai un master en psychologie, mais que la nutri c'est ma reconversion. Donc je suis déjà formée par ma mère. Par contre, c'est vrai qu'il me faudrait quand même pour la bonne forme un papier officiel. C'est pourquoi du coup je suis cette année de cours dans cette école. Vu que je suis déjà formée par elle, en tout cas pour la pratique au cabinet, il y a des choses qui sont un petit peu redondantes pour moi, mais néanmoins, quand on va dans le détail du microbiote, avec toutes les souches de bactéries, certaines plantes, etc. En fait, c'est tellement large, il y a tellement de choses à apprendre. Franchement, on pourrait faire des cours à l'infini sur des années et des années. Et c'est vrai que j'apprends quand même toujours des trucs. Et c'est super riche et ça me passionne. Donc franchement, ça passe 10 fois plus vite que des cours à l'université. Franchement, quand je regarde mes journées de cours en bachelor, master ou au lycée, c'était tellement plus long et tellement moins intéressant.
Et là, vraiment, j'ai vraiment du plaisir. Donc c'est chouette. Et bah voilà, je dis pas ça parce que c'est ma mère, mais franchement, elle est tellement passionnante, ma mère, quand elle parle. Elle a le don de vous. Je sais pas comment dire. De vous captiver, en fait. Je trouve qu'elle est captivante et elle sait tellement de choses. Elle a tellement de vécu, d'expérience. Et je sais pas comment elle retient tous ces trucs. Mais j'espère que je pourrai en faire autant avec les années. Mais ouais, voilà. Donc ça, c'était la petite update de Nutri. Tout le monde de retour des courses. Finalement, je suis partie beaucoup plus tard que prévu parce que j'ai fait du rangement avant en fait. J'ai déjà lancé mes haricots verts bio à la vapeur. Ils sont en train de cuire là-bas. Ils avaient l'air trop trop bons. Je les ai déjà goûtés plusieurs fois ceux-ci. Je les trouve chez Lidl. Ils sont super bons. Ils ont un goût. Voilà, rien à voir avec des haricots non bio qui sont tout fins avec des fils. Ceux-ci sont parfaits. Évidemment, élevage en plein air et bio parce qu'on s'assure que les poules soient nourries avec des bonnes graines et des oméga 3. Parce que si les poules sont nourries au maïs ou avec plus d'oméga 6 que d'oméga 3, ça peut vous faire après des équilibres au niveau des ratios. Et c'est vrai que ma maman a déjà vu dans des bilans de patients que des gens qui avaient des œufs de poule nourris au maïs avaient des mauvais ratios au niveau de leur acide gras. Ma passion, les pistaches grillées, salées. J'ai trouvé des myrtilles congelées bio et c'est vrai que ça sauve quand les myrtilles deviennent moisies ou on n'en trouve pas des fraîches. Au niveau de la viande, je prends toujours chez Lidl de la viande bio de pâturage. C'est la meilleure qualité que vous puissiez trouver. Donc j'ai pris 350 grammes. Là, j'ai de quoi faire deux bons gros steaks hachés de au moins 40 grammes de protéines. Donc moi, c'est très bœuf poulet. Hein. Franchement, je suis pas hyper originale avec les viandes. Bah, c'est vrai que le porc, j'évite parce que c'est assez contaminé au niveau des hormones. Et après, bah, j'ai vu justement à la Migros qui vendait des organes, des foies, etc. Je sais que c'est assez sain d'en consommer. J'avoue que j'ai pas été très courageuse encore et j'ai pas tenté l'expérience. Je sais pas, redites-moi si vous aimez, si vous cuisinez, vous, des organes. Il y avait, je crois, du foie de lapin, il y avait du cœur de bœuf. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Redites-moi si vous trouvez ça bon, si vous trouvez très différent de la viande classique. Et bah pourquoi pas, j'essayerai peut-être. Là j'ai pris de l'émincé de bœuf bio, toujours bœuf de pâturage, meilleure qualité possible. Super bon, franchement c'est la qualité est incroyable. Et elle tient très longtemps, elle tient quasiment 2 semaines là, donc voilà. Noix de macadamia grillée salée. Attention, vérifiez toujours dans la liste d'ingrédients qu'il n'y ait pas des huiles. Surtout des huiles pro-inflammatoires qui ont été chauffées du style dès que vous avez écrit huile de colza, huile de tournesol dans la liste des ingrédients, c'est jamais bon signe. Ici on a vraiment juste des noix et du sel. Je vais pas m'attarder longtemps mais j'ai repris du yogourt coco nature, vous savez que c'est un indispensable pour moi. Des petites noix pour mon copain, c'est pour son voyage, il adore ça et comme ça il aura au moins un snack sain pendant son voyage, parce qu'on sait à quel point dans les avions, les aéroports, c'est compliqué de trouver des trucs sains. Ensuite, j'ai pris des citrons, des petits citrons verts bio que j'utilise beaucoup pour mettre sur mon poisson, parfois même sur mon poulet et surtout aussi dans ma sauce à salade maison. Ensuite, comme légumes, des poireaux bio. Ça, j'adore me les faire en fondue avec du curry et du lait de coco. C'est juste
du beurre bio salé. Évitez les margarines et les trucs comme ça, c'est vraiment moins bon pour vous. Au niveau des acides gras justement, ça vous fait des mauvaises graisses en fait. Donc je consomme pas trop de lactose, hein. Vous verrez, il n'y a franchement pas de produits laitiers. Ça m'arrive de temps à autre d'en consommer un tout petit peu, mais le seul truc que j'ai gardé, c'est juste le beurre. Et ça, je vais l'utiliser pour mon pain. Vous avez vu mon pain au lin, aux trois ingrédients. Je vous donnerai d'ailleurs la recette dans mon e-book qui sort la semaine prochaine. Vous aurez des recettes hyper simples, hyper rapides, avec très très peu d'ingrédients. Du beurre salé avec mon pain au lin, c'est incroyable. Mais pour changer du beurre, j'ai trouvé de la marque Alnatura. C'est une marque qui est assez clean, que j'aime beaucoup à la micro. Et d'ailleurs, une patiente m'a dit qu'elle avait acheté ça et qu'elle trouvait ça bon. Et ça m'a donné vraiment envie. C'est très très rare que j'achète des produits transformés, honnêtement. Vous verrez, quasiment toutes mes courses, c'est juste des produits entiers. Mais là, je me suis fait un petit plaisir et honnêtement, ça va, hein, parce que si je vous lis la liste des ingrédients, on a des amandes, de l'eau, de la graisse de coco, de la ciboulette, du persil. Il y a un petit peu d'épaississant, jus de citron et sel de cuisine, ail, poivre. Vraiment très très clean comme composition. À part l'épaississant, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de sucre. J'ai acheté du saumon fumé sauvage. Attention, le saumon, il faut vraiment l'acheter toujours sauvage et non pas d'élevage. Et malheureusement, ça se trouve beaucoup plus difficilement. Il y en avait un seul sur les dizaines de marques de saumon fumé. Ça, avec un petit peu de citron sur mon pain au lin, je pense que ça va être très très bon. Le seul autre truc transformé que j'ai, c'est du bouillon. Ça, j'en avais pas et ma maman m'a dit justement que de nouveau la marque Alnatura. Par contre, c'est du bouillon de légumes. C'est le seul qui ne contient pas de glutamate monosodique. Le glutamate monosodique, c'est un additif alimentaire qui fait un effet d'addiction immédiat au cerveau. C'est un produit cancérigène. Enfin, franchement, c'est le pire additif alimentaire. J'ai une patiente au cabinet qui en a utilisé dans tous ses légumes, tous les jours, pendant 20 ans, dans toute sa cuisine. C'était une espèce d'épice, bouillon, pour donner du goût à ses aliments. Et en fait, elle avait des flambées d'eczéma à cause de ce glutamate présent là-dedans. Et le jour où elle a arrêté cette épice, elle a compris que c'était ça qui lui faisait du mal, et bien... rien quoi, donc vraiment hallucinant. Il y avait de l'émincé de poulet en action. J'achète toujours de l'émincé de poulet suisse. J'avais 2 fois 350 grammes de poulet en action. Ça valait clairement la peine. Et le poulet, c'est vrai que c'est quelque chose dont je me lasse jamais. Pour avoir mon apport de prot, ce sera assez facile. Ensuite, évidemment, mon chocolat noir, hein, ça vous le connaissez, 90% de chez Lindt. La composition est clean. Des graines que je n'avais plus du tout, ce sont les graines de courge. Donc là, j'ai pris les graines de courge bio de la Migros, qui sont très très bonnes si jamais en première partie de cycle, pour faire monter gentiment vos œstrogènes avant l'ovulation. J'ai encore un petit peu de poulet, mais cette fois-ci c'est du poulet haché parce que j'ai testé une recette la semaine dernière. D'ailleurs, il faudrait que je vous poste sur Instagram, j'avais pris en photo. C'était trop trop bon, j'ai fait des espèces de boulettes de viande de poulet haché avec un petit peu de poudre d'amande dedans, des oignons, de l'ail. Il y avait aussi, je crois, de l'origan. Ah, c'était trop trop bon. Avant que je trouve les myrtilles congelées, j'ai trouvé des myrtilles fraîches à la Migros qui sont bio. Donc je vais d'abord consommer celle-ci et puis j'en aurai des congelées au cas où. Et dans le rayon congelé, j'ai du saumon sauvage. Donc je l'ai enfin trouvé, mon saumon sauvage. Je vous ai bassiné avec ça pendant plusieurs vidéos. Je vous disais que j'avais fait tous les rayons frais, les poissonneries, etc. de mes supermarchés et que je ne trouvais pas du saumon sauvage. Et que je le trouvais seulement sous forme fumée comme ceci. Et ben en fait maintenant je l'ai trouvé mais en congelé. Et je me dis finalement c'est pas plus mal comme ça. Je suis pas obligée de le consommer tout de suite si jamais. Et je le fais cuire à la vapeur ou à l'eau. Et c'est super bon, on sent vraiment la différence. Hein. C'est moins gras et c'est beaucoup plus rosé qu'un saumon bourré d'hormones classiques d'élevage. La petite astuce, si vous ne trouvez pas
de saumon sauvage aller dans les rayons congelés. Voilà. Ah oui, et puis j'ai encore repris mon lait d'amande qui est clean au niveau de la composition à la Migros, la marque Alnatura, qui est du coup composé d'eau, d'amande et de sel marin issu de l'agriculture biologique. Voilà un petit peu pour mon retour de course. Sinon, on va aller voir si mes haricots sont prêts. Je pense que oui. Parfait. Bon bah écoutez, je vais me faire une assiette avec ça, le saumon et la pâte à tartiner que j'ai envie de tester sur mon pain. Je pense que je vais me faire un petit œuf au plat aussi dessus, ça me paraît très bon comme ça. Et je vais encore ajouter un peu des restes, des trucs que je trouve. Et bah, de toute façon, je vous montrerai tout ça et je vais me faire une petite série, je crois, ce soir. J'ai besoin de me reposer après cette grosse semaine de travail, franchement, qui était super intense. Et ce soir, je suis toute seule, on est samedi soir. J'ai envie de me faire un samedi soir self-care.